Salut la compagnie. Bienvenue à bord de ce nouveau magazine. Taxi Brousse, c'est le magazine qui vous démêle la cervelle et qui vous retrousse la frimousse. Aujourd'hui, émission très spéciale sur la corruption. Une vilaine maladie mondiale, plus connue en Afrique sous le nom de magouille. La magouille est une maladie infectieuse qui se déclare partout où il y a de l'argent, et en particulier l'argent de l'État. La magouille qui tue. Nous commencerons par la véridique histoire d'un marché public, celui de l'hôpital de Porto Novo au Bénin. Après cette entrée en matière tout à fait documentaire, nous plongerons dans une aventure romanesque. Celle d'un appel d'offres truqué et d'une très grosse commission versée au ministre Médard, l'homme le plus corrompu d'un État africain imaginaire que vous allez découvrir, la très magouilleuse République ventrafricaine. Comme d'habitude, le forfait de l'ignoble Médard ne manquera pas d'attirer l'indignation du taximan Kofi et de son compère, le féticheur Baba Oulou. Ces deux personnages sont les héros de la série Petit à Petit qui sera à chaque fois le plat principal au menu de ce magazine. Il faut qu'on parte. Lorsque nous aurons quitté la République ventrafricaine, nous aurons besoin d'un bon digestif et ce sera notre dossier sur la Côte d'Ivoire. Vous verrez que la réalité peut dépasser la fiction puisque dans ce pays, 18 milliards de francs CFA destinés à soigner des gens pauvres et malades ont servi à remplir les poches d'autres gens tout à fait riches et bien portants. C'est simple, mais il fallait y penser. Mais pour commencer, la véridique histoire d'un appel d'offres douteux et d'un hôpital atteint d'une longue maladie. Il y a eu d'abord une caution de 2 millions de francs français versés en liquide, puis l'appel d'offres annulé pour irrégularité, puis 2 ans de retard dans l'exécution des travaux. En 1995, petite visite du président de la République. Les travaux ont avancé et nous souhaitons réceptionner l'hôpital. Il y a également des équipements. Il est bon d'aller se rendre compte de ce qui se fait sur le terrain. Plus difficile de voir ce qui se passe de façon souterraine, même pour le bailleur de fonds, l'Union européenne. Les choses qui avaient un peu ralenti il y a, disons, à la fin de l'année, ont repris un rythme qui est plus satisfaisant aujourd'hui. Le chantier aurait dû s'achever en 1993. Cette visite a eu lieu en 1995. Monsieur Bossou m'a promis que j'aurais la possibilité d'inaugurer ce bâtiment. Philippe Bossou, patron de l'entreprise Artico 80, chargé des travaux, ne pourra jamais tenir sa promesse. Un an plus tard, le contrat qui le lie à l'État béninois et à l'Union européenne est résilié. Conséquence, sa société est mise en faillite. Chercher les marchés résiliés, surtout les gros marchés, creuser et à 70-80%, vous trouverez qu'il y a un problème de pot de vin en dessous. Il y a des cas où le monsieur peut faire un dumping. Il peut baisser les prix anormalement pour gagner le marché. Il a peut-être pris des engagements financiers. Des pots de vin. Philippe Bossou ne nie pas en avoir versé. Quel entrepreneur peut se vanter d'y échapper? Une commission d'enquête parlementaire se penche sur cette affaire. Son rapport parle d'actes de corruption et de prévarication, mais les responsables ne sont pas identifiés. De son côté, l'entrepreneur Philippe Bossou préfère mettre en cause un autre fléau. L'inertie de l'administration dans le suivi de ce marché public. Il mène une action en justice et gagne son procès en 1999. Les travaux de l'hôpital de Porto Novo ont enfin été achevés, mais avec des années de retard et beaucoup d'argent perdu. À qui la faute? Au profit de qui? Impossible de le savoir. Si un fonctionnaire reçoit un pot de vin, est-ce qu'il a intérêt à dire qu'il en a reçu? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est lui qui est victime, c'est celui qui a donné et qui se trouve être coincé parce qu'il en a donné un peu trop, il en a donné plus qu'il ne devait donner et ça l'empêche d'honorer ses obligations. C'est lui qui a intérêt à parler. Mais 4 ans après sa faillite, l'entrepreneur Philippe Bossou refuse toujours de parler. S'ils sont acculés, ils parlent, mais ils ne vont pas toujours jusqu'au bout parce qu'ils se disent toujours, je veux rester dans le système, je veux toujours être prestataire ou entrepreneur, fournisseur. Et si je parle, je risque d'être complètement exclu parce que d'autres à qui je n'ai pas encore eu affaire diront, parce qu'il a parlé à propos de l'autre, il parlera à propos de moi aussi. Donc, je risque de devenir pestiféré et puis je ne pourrai plus évoluer dans le système. Donc, c'est l'avenir qui fait taire les gens. Voilà. Maintenant que vous connaissez tout sur les appels d'offres, les commissions et les sous-commissions, les tables et les dessous de table, je suis habilité à vous donner votre visa
pour la République ventrafricaine. Partez sans crainte. Je vous retrouve là-bas. Vous aviez vraiment besoin d'aller grimper comme ça tout en haut d'un arbre? J'avais rendez-vous avec quelqu'un. Rendez-vous en haut d'un arbre? Et on peut savoir avec qui? Avec une jolie fille comme toi. Vous n'êtes pas sérieux. Papa, moi je n'ai pas confiance dans cet hôpital. Hein. Mon fils, les infirmières ne sont pas mal. Je parle du bâtiment. Si vous saviez comment ils ont construit ça. C'était pendant l'année du Baba. Au moment où vous avez fait votre retraite mystique. Vous m'aviez dit de ne plus vous déranger pendant 7 mois et 7 jours. C'est pendant cette période que le président a formé son fameux gouvernement d'Union nationale. Celui qu'on a appelé le gouvernement des gloutons. Ils ont confisqué mon véhicule. La deuxième fois dans la semaine. Mais c'est un coup monté par Médard. Médard? C'est le ministre de la Santé, non? Un ministre de la Santé un peu spécial, oui. Un ministre de la Santé qui s'arrange pour empêcher les honnêtes entrepreneurs de participer à la construction du nouvel hôpital. Allez, tout droit et en toute vitesse. Je n'ai plus que 5 minutes. 5 minutes? Pour faire quoi? Mais 5 minutes pour déposer ce prix, voyons. Ma réponse à l'appel d'offres du nouvel hôpital. Et je gagnerai avec ça, malgré Médard, malgré la saisie des véhicules, malgré un incendie dans mon entrepôt, malgré les 3 lignes téléphoniques brusquement en dérangement, malgré le contrôle fiscal, malgré cette ordure de Médard, je gagnerai. C'est moi, Bailly, qui te parle, tu verras. Mais qu'est-ce que vous voulez, ce Médard? Mais Médard n'aime pas les gens qui refusent de verser des pots de vin. Médard n'aime pas que des gens comme moi participent et gagnent des appels d'offres. Mais il n'a rien compris. Monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Duvry, oui. Je vous présente monsieur le président de la commission d'appel d'offres. Enchanté. Enchanté aussi. Djibril Karamoko. Ah, l'empereur du bâtiment. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Dites, est-ce vrai que Bailly n'a pas soumissionné? Oui, pas encore. Mais il lui reste... encore 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. C'est scandaleux. On a voulu m'empêcher de soumissionner. Mais un jour, je dirai ce que j'ai à dire sur vos méthodes. Ça veut dire quoi, Bailly? Qu'est-ce que vous insinuez? Calmez-vous, monsieur le ministre. Mais écoutez, monsieur Bailly, qu'est-ce que ces manières-là? Ce n'est pas normal. Et alors? C'est dans la poche, l'ami. Mais comment vous pouvez être sûr? Mais parce que je suis toujours le moins cher. Et tu sais pourquoi? Je n'ai jamais versé les 10% au ministre précédent et je suis encore moins disposé à verser les 15% que réclame Médard. Ça fait donc 15% de moins sur le budget. C'est ça votre secret?
c'est Divry l'ami. Allô? Allô? Alors? Alors, il a gagné, évidemment. Et tu trouves ça drôle? Attends, je n'ai pas dit mon dernier mot. Stupéfaction dans le monde des opérateurs économiques. Les services d'hygiène ont saisi hier au port plusieurs fûts de déchets toxiques dans un entrepôt appartenant à l'entrepreneur Bailey. La société de ce dernier a été immédiatement placée sous séquestre en attendant le résultat de l'enquête judiciaire. Quant au marché du nouvel hôpital qui avait été récemment attribué à Bailey, il a été confié désormais à la société Djibril Karamoko. Ça va? Le chantier, ça va, j'espère. Très bien. Ok. Bon, ça va. Il y a un petit problème. On a prévu de faire de 18, mais on nous a ramené des 12. Je ne comprends pas d'où vient l'erreur. Ben, il n'y a pas d'erreur. Avec des 12 et des fers de bonne qualité, on peut faire de très bonnes choses. Bon, on t'entend. S'il vous plaît, patron, j'ai encore un autre problème sérieux. Eh ben, décidément, tu es venu pour m'emmerder aujourd'hui. Quand il n'y a pas de problème, tu en crées. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Dis-le. C'est des poutrelles de vin. Je n'ai jamais vu construire un hôpital à 3 étages avec ça. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Je te comprends. Je pense que quand on est fatigué comme toi et qu'on commence à perdre des dents, on prend sa retraite et on laisse la place aux plus jeunes. On fait avec et puis on ne parle plus d'autre chose. Patron. OK. Allô? Ah, Djibril, tu me déçois beaucoup. Les fonds étaient débloqués depuis un mois. Ton chantier avance, tu n'as même pas songé à m'appeler. N'essaie surtout pas de me dribbler, tu sais bien ce que ça coûte. Ah, Djibril, tu me déçois beaucoup. Les fonds étaient débloqués depuis un mois. Ton chantier avance, tu n'as même pas songé à m'appeler. Bravo les gars, on le tient. On le tient. Mais c'est dommage qu'on n'entende pas ce que l'autre dit. C'est vrai. Mais est-ce que vous ne pouvez pas organiser les écoutes téléphoniques là, un peu comme au cinéma? Ça, c'est réservé à la sécurité présidentielle. Ça aurait été l'idéal, hein. Mais on a d'autres moyens. J'appelle la Golden Bank. Allô, Crésus. Ici, c'est Paul de la financière. Dis-moi, tu n'as pas quelque chose du côté de Djibril? Tiens, petit quelque chose pour demain. Combien? 160 millions. Retrait en espèces. À 10 heures précises. Voilà! Écoute, tu vas me rendre un petit service. Hein? Je veux le bordereau signé du chef d'agence avec les numéros de tous les billets. D'ici demain? Comment veux-tu? Je compte sur toi. Oh, les gars, c'est trouvé. Ici Crésus. Écoute, Djibril vient de décaisser 160 millions pour MEDA. Et la brigade financière est déjà sur le coup. Et comme elle est lente, j'ai pensé à toi. Alors, ça t'intéresse? Tu parles. Mais tu as des preuves? J'ai un bordereau tamponné avec tous les numéros des billets. Avec ça, je fais tomber le gouvernement. C'est une bonne idée, mais j'ai une meilleure à te proposer. Thank you.
100 billets de 10 000, ça doit faire au moins 20 kilos. 30 même. Tu as vu le gaillard? C'est peut-être des pièces à la place des billets. Au fait, dites-moi, de l'argent liquide chez Médard, là, vous pensez que ça peut vraiment prouver quelque chose? On aura la preuve formelle que ça vient du compte de Dibril. Il y a un bordereau qui mentionne tous les numéros. J'attends quelqu'un d'une minute à l'autre. Quelqu'un avec une valise de billets? Qu'est-ce que tu racontes? La stricte vérité. Figure-toi que j'ai eu la chance d'entrer en possession d'un bordereau de la Golden Bank, donnant toute précision sur un retrait du compte de l'entrepreneur Djibril Karamoko. Tu n'as rien à voir avec ça. Mais si! Dans la mesure où ces billets, comme tu l'as dit tantôt, vont arriver d'une minute à l'autre et qu'ils seront suivis par les hommes de la brigade financière. Alors? Alors? Alors j'ai pensé à te proposer un petit arrangement. Entre. Ce bordereau, je suis prêt à te donner la moitié de l'argent en échange. La moitié? Non, tu n'es pas raisonnable. Tu auras trop de problèmes avec le reste. Quand la brigade va débarquer ici, s'il te trouve avec un seul de ces billets, c'est fini pour toi. Quelqu'un t'a suivi? Non, je ne vis personne. Merci, merci. Tu devrais me remercier. Le bordereau, tout au moins le bordereau. Le bordereau, au moins le bordereau. De perquisition. On fouille tout. Toutes les portes vous sont ouvertes, mais vous ne trouverez rien. Parce qu'il n'a rien à trouver. Et c'est comme ça que Meda nous a échappé. Mais pas pour longtemps. La deuxième fois, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Je n'ai rien compris à cette histoire. Moi, je peux te la raconter. Ça m'étonnerait. Vous étiez au fond de votre barbeau. Tu te trompes, Kofi. Je peux te dire au moins que Fassinou est allé se cacher quelque part. Allô? Monsieur Fassinou. Personne ne sait que je suis ici. Allô? Oui. Fassinou. C'est pour toi. Allô? Bonjour Fassinou. Oui? Si que je suis. Comment tu as su que j'étais là? C'est la brigade financière. Ils t'ont repéré. Ils seront chez toi dans 5 minutes. Je file. Je sais où me cacher. Ne sais même pas. Ils connaissent toutes tes planques. Mais je fais quoi alors? Viens à mon bureau avec la valise. J'ai tout prévu. Il vient. Allô, mesdames. Ici Djibril. Tu ne vas pas me croire. J'ai récupéré ton argent. Viens tout de suite. Je suis à la Golden Bank. Demande le bureau de Crésus. Il vient.
Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Venez. Madame, excusez-moi de vous déranger, mais c'est une question de vie ou de mort. Mon enfant est à l'hôpital et il me faut ce médicament-là. Sinon, l'enfant est perdu. Par pitié, aidez-moi. Monsieur, ça va. On m'a déjà fait le coup hier. Un escroc avec une ordonnance bidon. J'étais prête à payer. Heureusement, je regarde l'ordonnance et qu'est-ce que je vois? Elle datait d'avant la dévaluation. Ah, non, ça va. Un autre pigeon, vous allez aller trouver. Excusez-moi, madame, mais je vous en prie. Il faut me croire, je dis la vérité. Ça se voit que vous êtes malin. Vous trouvez une ordonnance qui date du même jour. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Aidez-moi par pitié. Je ne mens pas, madame. Aidez-moi par pitié. Bon, il vous faut à peu près combien, monsieur? Il me faut... Combien? Oui, il me faut 18 milliards. Pardon? Il me faut 18 milliards. Il me faut 18 milliards. On dit que la santé n'a pas de prix. Mais les hôpitaux, les dispensaires, les centres de santé et le matériel médical, tout cela a un prix. Même en Côte d'Ivoire. Dans ce pays, un réseau composé d'agents de l'État corrompus et d'escrocs privés a réussi à détourner 18 milliards de francs CFA en accumulant les fausses factures pendant plusieurs années. Ces détournements concernent principalement des programmes de santé primaire financés par des dons de l'Union européenne. Ce trafic a duré plus de 5 ans. Il a fallu la publication de rapports confidentiels dans la presse pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Il fallait que les Ivoiriens sachent. Pour que, comme nous l'avons dit, les gens comprennent comment l'argent a été pompé, les sociétés complices de ce pillage organisé. Pour pomper l'argent, la principale technique utilisée s'appelle la surfacturation. Un PSBB qui coûte effectivement 20 000 francs CFA avait été facturé 1 290 000 francs CFA. On a cité les cas des lampes tempêtes qui coûtent entre 1 500 CFA et 2 500 quand c'est trop cher. Et ces lampes-là coûtaient 52 000 francs CFA, c'est-à-dire 520 francs français. Le deuxième procédé consistait à considérer comme réaliser des travaux de construction de bâtiments. Et quand vous alliez sur le terrain, vous n'aviez même pas la fondation de ce qui était supposé être le bâtiment réalisé. La fondation n'était même pas achevée. Parfois, ça n'existait même pas. C'était destiné aux populations de l'intérieur du pays. Et donc, c'était plus facile de commencer à faire certaines choses. Peut-être que tout le monde n'irait pas toujours vérifier. Mais au moins, quand on annonce aux populations qu'on va construire un dispensaire, et qu'on voit venir des gens prendre des mesures ou bien poser des pierres, les populations ne savent pas toujours au bout de combien de temps ça doit être réalisé. Mais elles voient qu'il y a un début de quelque chose, donc elles espèrent. Elles ne sont même pas préoccupées de chercher à savoir si on est en train de les gruger ou pas. Il n'y a pas encore eu une action judiciaire effectivement engagée sur cette question. Dans un État où il n'y a pas de démocratie, vous ne pouvez pas avoir une justice indépendante. Avec l'accession du président Bédier au pouvoir, on a vu se multiplier les affaires sales. Tout se passait comme si les gens voulaient s'enrichir ici et maintenant. Évidemment, quand c'est comme ça, on est moins fin, on prend moins de précautions. Et puis, quelque part, les Ivoiriens étant patriotes, tous ne marchent pas dans la combine. Et on finit par dénoncer les gens. La fin du parti unique a entraîné la fin du journal unique, la fin de la télévision unique, la fin de la radio unique. Donc, ce qui fait que les détournements qui ont lieu sont portés à la connaissance de l'opinion publique. C'est la seule différence. Sinon, je pense même qu'il y en avait plus sous le parti unique que maintenant. Si chaque fois on lâche, on jette des pavés dans la mare, ou si chaque fois on a des dossiers en béton, c'est sûr que les gens se sachant traqués, ils vont faire attention. En Côte d'Ivoire, la presse a joué son rôle de garde-fou face à la corruption. En revanche, l'Union européenne, pourtant directement concernée par l'affaire des 18 milliards, n'a divulgué aucune information. Un silence très diplomatique. Regardez le nombre d'affaires qui éclatent en Europe. Je me souviens que l'une des commissaires européennes, Mme Edith Cresson, a été éclaboussée par cette histoire de faux rapport qu'elle aurait fait faire par son dentiste. Je ne comprends pas que dans ces pays-là, on ne prenne pas de gants
pour dénoncer les malversations et que quand il s'agit de l'Afrique, on veut y arrondir les angles. Un angle, on ne peut pas l'arrondir parce que c'est un angle, c'est sa nature. Comme ce monsieur l'a si bien dit, un angle, ça ne s'arrondit pas. Et un chat, ça devrait s'appeler un chat. Mais dans la réalité, c'est vrai que ça s'appelle autrement. C'est une question de politesse. Tenez, une petite devinette pour terminer. Un monsieur qui s'enfuit d'un pays africain avec une valise pleine de billets et un pistolet, ça s'appelle comment? Non, mais vous aussi quand même. Un monsieur qui s'enfuit d'un pays africain dont je tairai le nom avec une valise de billets et un pistolet, ça s'appelle un ministre des Finances. Eh oui, c'est malheureusement authentique. Ça s'est passé récemment. C'était donc Taxi Bruce, l'émission dont les angles ne tournent pas rond. Le magazine qui vous démêle la cervelle et qui vous retrousse la frimousse. En route!